Zidane est revenu. Bah ouais. Et pour ça, il a l'argent. Il veut peut-être refaire une grosse équipe avec des stars, des galactiques, on sait pas en tout cas. Salut à tous, footeuses et footeuses famille, c'est Thomas, on le sait tous, hein, Zizou est de retour, évidemment, alléluia pour le Real, après l'échec de Solari, et donc l'ami Perez, qui n'a pas recruté depuis 1000 ans, veut refaire des petits galactiques. Pour cela, Zidane donc, a une enveloppe assez intéressante, hein, des sous-sous, il a 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, c'est à la fois beaucoup et pas assez pour s'acheter des joueurs stars par rapport, évidemment, au craquage des transferts en ce moment, et pour cela, donc l'ami Zinedine a pisté deux joueurs. On entend parler depuis longtemps, mais là, selon les sources espagnoles aujourd'hui, avec un point d'interrogation évidemment, il y a Paul Pogba et l'ami Eden Hazard qui ont donné leur accord de principe au Real Madrid. Donc ils sont autorisés par Manchester et Chelsea à négocier avec leur agent et leur club justement pour un éventuel transfert. Le problème, donc, de cas de figure justement, c'est que du côté de Manchester United, avec Solskjaer et évidemment les bons résultats que l'entraîneur a, qui a remplacé Mourinho, demande une grosse somme de 150 millions d'euros. Ouais, parce que 150 millions d'euros, il faut faire quand même une bascule sur les transferts. Pogba est un joueur en devenir, pourquoi pas peut-être un futur ballon d'or, on ne sait pas. En tout cas, il a été acheté 105 plus 5 millions d'euros en 2016. Donc pour cela, il y a une petite option qui se met en bascule. Il y a un joueur qui est en mal de temps de jeu et que Zidane n'est pas non plus super fan, c'est Gareth Bale évidemment, autre gros transfert de Tottenham au Real Madrid. Et on parlerait donc de Gareth Bale plus une grosse somme, donc un joli sac de billets qui donnerait donc lieu à Paul Pogba. C'est pas mal quand même, mine de rien. Comme ça, tu mets moins de sous et parce qu'ils sont pas prêts à mettre les 150 millions d'euros. Encore une fois, 500 millions d'euros seulement. Donc, pour l'instant, en tout cas, on va dire que l'ami Gareth Bale, qui est vraiment un très très bon joueur, mais bon, il est un petit peu, voilà, pas banni, mais bon, il est des fois sifflé par le public, des fois même des attitudes un peu bizarres. En tout cas, voilà pour Pogba. Donc, Raiola, évidemment, son agent a tout fait. Hein, il est en train de négocier, vente aux enchères de ouf. Il a négocié un salaire de 18 millions d'euros. 18 patates par an, avec une com sympathique pour lui, évidemment, de 5%. Bah, lui, évidemment, hein, comme Balotelli à l'OM, ça avait capoté. C'était peut-être à cause de ça, en tout cas, hein, n'est-ce pas, Cahuzac. Mais donc, une grosse com de 5%. Il est malin, hein, le vendeur de pizza. Il est malin, en tout cas. Donc, voilà pour Mino Raiola. Et Paul Pogba, autre joueur donc avec Eden Hazard, comme je vous disais en préambule. Eden Hazard, et un petit problème avec Eden Hazard évidemment, c'est le fair play financier, parce que les amis Blues de Chelsea ne peuvent pas recruter. Non, ils sont interdits par le FPF, ils sont un petit peu relous, mais c'est comme ça. Donc peut-être qu'ils vont, pourquoi pas, garder Eden Hazard, parce que lui il était évalué, on avait fait une vidéo il y a quelques mois à 225 millions d'euros. Je pense pas que le Real serait prêt à mettre ça, en tout cas. Donc voilà, Eden Hazard à voir pour Mauricio Sarri, parce que le fair play financier fera peut-être que ça changera la donne, en tout cas par rapport à ça. Donc voilà les amis, pour ces deux dossiers, n'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous en pensez sur Pogba et l'ami Eden Hazard au Real Madrid. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, par exemple comme Polo, fait une bonne passe en l'air, merci Polo, hein, merci, t'es un génie. Ou Eden Hazard, fait une bonne passe, merci Eden, peut-être qu'ils joueront ensemble. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse les amis, salut, et salut les amis, ciao. Pogba et Hazard, les nouveaux galactiques. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas?